Au retour au Québec, donc en 78, en tant que professeur visiteur à l'Université de Montréal, chargé de 4 cours à mettre en place. Mais cette année-là a été particulièrement importante parce que j'avais à mettre en place, dans ma tête d'abord, et ensuite comme thèse de doctorat, à la fois les 2 années de recherche chez les Angbandi, dans l'Ubangi, les 4 années comme directeur du centre d'études de la médecine des guérisseurs, une grande expérience, je dirais, assez unique, parce que peu de gens ont été au contact des guérisseurs pendant une période aussi longue, et transformé tout cela en une thèse de doctorat. Et j'ai beaucoup travaillé jusque tard le soir et tous les week-ends, et avec aussi toujours la peur de perdre les données, même si on fait des doubles. Et je me rappelle un jour être arrivé à la maison, revenant visiter les frères, les parents en région de Sorel. Il y avait incendie dans la maison voisine, et est-ce que j'ai pas de double de ce que j'ai fait, et voilà. Et à partir de ce moment-là, je pense que je me suis toujours déplacé avec un double du travail. Tout se faisait évidemment encore. C'était les débuts. Bientôt, on allait avoir les computers et tout ça. Mais alors, je suis retourné en 79 dans un département d'anthropologie à Laval pour y soutenir ma thèse, qui était différente du département que j'avais connu en 71-72, presque 10 ans plus tard. Et c'est une grande fête au département. Claude Lévi-Strauss est là pour un doctorat honorifique. Pierre Simonis, Yvan, est directeur du département à ce moment-là. Lui-même a fait donc sa thèse sur la passion de l'inceste. Il est proche de Lévi-Strauss, il le connaît bien, et il a pu l'inviter et il a accepté de recevoir un doctorat honorifique de l'Université Laval, alors qu'il a toujours refusé, alors que ça lui a été offert, de recevoir un doctorat honorifique de l'Université de Montréal. Et je pourrais dire pourquoi il n'a pas accepté d'être honoré par l'Université de Montréal. Et je me rends donc là-bas. Le jury est imposant, c'est le président, c'est Marc Adélard Tremblay, l'examinateur externe est Luc De Heusch de l'Université libre de Bruxelles, Jean-Claude Muller, qui est, à ce moment-là, est un collègue à l'Université de Montréal, mais comme je ne suis pas professeur régulier à l'Université de Montréal, siège en tant que spécialiste de l'Afrique, puisque ma thèse porte sur l'Afrique, et mon directeur, qui est Paul Charret. Et dans l'assistance, il y a Claude Lévi-Strauss, qui à la fin va se permettre de faire quelques commentaires. Nous avions eu plaisir de le rencontrer à plusieurs reprises durant son séjour, à la fois chez Simonis, chez nous aussi, en le
en le recevant. Et il avait quelques textes en main, des articles, et il a pu, à ce moment-là, pouvoir intervenir à la toute fin. C'était la première défense de thèse doctorale au département d'anthropologie de l'Université Laval, donc un événement qui était important pour tout le monde, plus particulièrement pour moi, et je suis vraiment fier d'avoir été le premier titulaire d'un doctorat en anthropologie de l'Université de Montréal. J'ai appliqué pour un poste à l'Université Laval, jamais rentré en compétition, puisque lorsque je défends ma thèse, je suis déjà à la faculté de sciences de la santé, c'est pas la faculté de médecine comme telle, et que je vais apprendre entre 79 et 82 comme professeur adjoint, donc dans les sciences de la santé, un grand nombre de choses sur un système de santé que je ne connais pas, qui est le système québécois. Donc, faire l'apprentissage, en quelque sorte, de notre organisation au système de santé, découvrir les cultures hospitalières, l'Hôtel Dieu de Québec, également l'hôpital près du campus, et les suivis cliniques, les espaces cliniques. Autant je connaissais bien pour les pays africains, je vais faire, grâce au contexte de l'Université Laval, avec ce cours que je donne, qui est suivi par les différentes composantes, et qui s'appelle Culture et santé, et que je vais donner pendant plusieurs années, jusqu'à mon départ, où je ferai un recrutement, ce sera Francine Saillant qui arrivera à ce moment-là, et d'autres venant des sciences sociales, sont entrés dans l'espace des sciences de la santé, ce qui était, je pense, pour le mieux de tout le monde. Je reviens à la défense de thèse. Je dois dire que l'anthropologie médicale était un domaine inexploré à l'époque. Et par contre, s'était développé les ethnosciences, l'ethnobiologie, l'ethnoanatomie, les ethnomédecines, on en parlait assez bien. Autrement dit, la restitution des savoirs sur le corps, sur la biologie, sur la nature, sur les plantes, etc., sur les animaux. Le domaine des ethnosciences était en plein développement. Mais des travaux comme le mien, qui en anthropologie faisaient des analyses de cas de personnes qui avaient consulté des thérapeutes herboristes ou ritualistes ou spiritualistes, il y en avait très très peu à l'époque. Et il fallait, en quelque sorte, essayer de comprendre, c'était en tout cas mon objectif dans la thèse, quels étaient les mécanismes, si l'on peut dire, qui interviennent dans la production de la guérison, de la sortie de la maladie. Et l'hypothèse que je faisais à partir d'une réflexion initiale dans la thèse sur l'inflammation, lorsque nous avons une piqûre sur un bras, le tissu conjonctif
gonfle et que cette concentration, en quelque sorte, est un phénomène thérapeutique, c'est un mécanisme de défense du système immunitaire qui fait en sorte que l'inflammation contient le poison reçu de la piqûre d'abeille, de guêpe, peu importe, et que la thérapie va viser non pas à faire disparaître l'inflammation, mais à la maintenir et éventuellement à faire en sorte qu'elle aille jusqu'au bout du processus d'auto-guérison. C'est-à-dire, si nous appliquons ce principe de manière beaucoup plus générale, qu'une médecine comme les médecines traditionnelles africaines essaie de s'insérer dans des processus d'auto-guérison mis en œuvre par le corps lui-même, vienne les soutenir, les épauler, les dynamiser en quelque sorte pour accélérer, soutenir et accélérer le processus de guérison. Dans la médecine allopathique, c'est très très différent, parce que la médecine allopathique, c'est précisément l'idée, à cause de la puissance de nos drogues, capacité d'intervention, on va inverser le processus, on arrête ce processus et on va restabiliser la partie, par exemple. Donc, on n'essaie pas nécessairement de s'insérer dans les mécanismes endogènes mis en œuvre par le corps pour s'auto-guérir. On peut les connaître, mais on ne s'appuie pas sur eux. C'est ainsi, par exemple, que la notion de terrain comme prédisposition aux pathologies va disparaître dans la médecine occidentale. On pourrait dire que la révolution pastorienne a accouché finalement d'un quelque chose d'assez grave. C'est que le one germ, one disease, la centration sur un agent infectieux précis qui produit telle maladie, nous a fait oublier tout le terrain dans lequel se produit cela. Parce que, prenez certains pathogènes, tous les pathogènes ne se transforment pas en cause de maladies. Nous les portons en nous. Il suffit à penser à toutes les bactéries que nous avons dans la bouche, comment l'intestin est plein de toutes sortes de choses. Il faut que, en quelque sorte, un déséquilibre se produit. Et ce déséquilibre, nous ne savons pas très bien pourquoi il se produit. Et si une médecine s'intéresse au terrain, prédisposition physique, mais on pourrait aller beaucoup plus loin, prédisposition psychologique, les rapports entre les dispositifs psychologiques et le système immunitaire sont encore très très mal connus. Comment se fait-il que certains mobilisent davantage leur système de défense et d'autres moins? Est-ce que des affects plats, dans un état de dépression par exemple, vont nous rendre davantage vulnérables et susceptibles de devenir victimes de pathogènes que nous portons en nous depuis peut-être des années, mais qui à ce moment-là vont devenir actifs et produire une maladie? De même, l'environnement social, et ainsi de suite. Ma thèse va essayer de démontrer qu'il y a des mécanismes endogènes d'auto-guérison qui sont mobilisés à la fois par les recettes médicinales, par les rituels thérapeutiques et par la croyance, et je dis bien par la croyance, dans la force d'esprit pouvant vous protéger, pouvant intervenir, et qu'on va essayer de les soutenir et les dynamiser. Je pense que pour les collègues et les membres du jury, on a pu avoir de très très bonnes discussions. Il faut dire aussi que j'introduisais dans la thèse toute la dimension de sémiologie, bien sûr, la dimension de sens aussi. Mais pour Lévi-Strauss, ce qu'il a retenu dans son commentaire, lui quand même qui s'est intéressé au savoir sur la nature, pensons à la pensée sauvage par exemple, la connaissance des plantes et tout ça,
Et c'est pas quelqu'un qui pratiquait les ethnosciences, mais il en était tellement profondément imprégné, autrement que dans la tradition américaine, où les gens ont essayé de classer les plantes, pensons à Berlin et à Brandt, et à tellement d'auteurs qui veulent avoir des systèmes très, très hiérarchisés, des taxonomies avec les différentes plantes, reprenant un peu les perspectives de von Linné, de famille genre espèce. Mais pour Lévi-Strauss, je dirais ma double approche, à la fois des savoirs développés sur le corps, sur la nature, sur les plantes, ça l'intéressait beaucoup. Et également, bien sûr, l'univers du sens dans lequel je faisais entrer par-delà les évidences naturelles de morphologie qui permet du classement, l'ordre symbolique. Et il se reconnaissait très, très bien dans tout cela. Alors, nous avons eu d'excellents débats. C'était un grand plaisir. J'en profite pour dire qu'à cette époque, vous voyez, les années 80, à la fin des années 70, les grands débats des domaines dominants de l'anthropologie, c'est l'écologie culturelle. L'écologie culturelle qui est héritière, en quelque sorte, des approches critiques qu'il y a eu, qui nous force à réinsérer les formes de vie dans leur environnement. Et de ce point de vue-là, j'étais extrêmement content d'avoir Paul Charret qui était beaucoup dans ces choses. Alors, je suis donc, après les années de Québec, après la défense de thèse, un peu tardive quand même, pour les raisons que j'ai expliquées tantôt, que j'ai assumé un travail que j'ai jugé important pendant plusieurs années à l'Institut national de recherche scientifique du Zaïre. J'arrive donc comme directeur du département en 82, j'y suis depuis 81, mais véritablement sur place en 82. Et là, je trouve un département que je connaissais déjà un petit peu. Je dois dire aussi que ma scolarité de doctorat à l'Université Laval, comme il y avait peu de cours, je suis venu suivre des cours à Montréal, entre autres en linguistique avec Gillian Sankoff, aussi j'ai suivi quelques cours à McGill qui formaient ma scolarité qui à cette époque était mince. Il y avait d'autres étudiants, mais j'étais le premier, donc il fallait un début. J'arrive dans un département un peu étonnant, mais que d'emblée j'aime. J'aime à cause de son effort de totalisation des connaissances face à l'humain, aux différentes versions de l'humain, où nous avons le biologique sous différentes formes, une anthropologie biologique qui est forte à l'époque, qui est davantage une anthropologie biologique assez traditionnelle, c'est-à-dire la morphologie, comment l'humain s'ajuste à des environnements, à des écosystèmes différents, donc des mesures anatomiques. Mais la paléontologie qui est très forte, avec des gens comme Normand Clermont qui s'y intéresse, bien qu'archéologue, mais venant de la biologie, Auger, pas Marc Auger, mais Auger, A-U-G-E-R, qui était un biologiste intéressé par l'évolution humaine, et la primatologie aussi, qui est là, la comparaison interespèces entre les différentes lignes d'évolution. Nous ne sommes pas encore
dans la surspécialisation au sein de l'anthropologie biologique, celle qui va venir avec la génétique, les sciences cognitives et les autres, et qui est un des grands problèmes contemporains, par surspécialisation de chacune des sous-disciplines, nous assistons progressivement à un largage des autres sous-disciplines et un réamarrage de la biologie sur les départements de biologie, de l'anthropologie biologique, qui se sentent plus proches parents de certains courants enseignés au département de biologie. Mais à cette époque-là, c'est vraiment dominé par l'évolution humaine et la différenciation à partir des notions d'adaptation à des environnements différenciés. Et je me reconnais, venant de la biochimie, je me reconnais totalement dans ce genre de réflexion. Je suis apparenté à cela et je suis même enthousiaste dans mes discussions avec les collègues spécialistes de discipline. Une autre sous-discipline, c'est la linguistique. Le champ de la linguistique descriptive c'était élaboré. Il y avait à ce moment-là trois professeurs qui enseignaient. Moi-même, pendant ma direction, j'ai invité un certain nombre de spécialistes de la linguistique français, du Lacito par exemple en France, à venir au département. J'ai toujours travaillé beaucoup pour la consolidation de l'anthropologie linguistique et toujours considéré que c'était en quelque sorte le pilier central d'un département sérieux d'anthropologie qui prétend être capable de parler de la diversité humaine et qui se doit de parler de la diversité humaine à partir de la diversité des langues, des familles de langues. Et là-dedans aussi, bien sûr, j'étais un proche parent, j'étais gagné d'avance. Et alors nous avons le grand secteur de l'anthropologie sociale, de l'anthropologie culturelle, qui a toujours formé presque le deux tiers des professeurs quand même au département d'anthropologie de l'Université de Montréal, où là, nous avions une très grande diversité allant de l'anthropologie de la parenté à l'anthropologie religieuse, en passant par les systèmes politiques, les systèmes économiques, etc. À l'intérieur de la de l'ethnologie, si l'on veut reprendre un terme qui est tout à fait acceptable, mais je préfère parler d'anthropologie sociale et d'anthropologie culturelle, avec des débats théoriques extrêmement puissants, extrêmement forts, particulièrement entre les approches marxistes, par les méga-environnements et toutes les conditions, en quelque sorte, externes, agissant sur les sociétés, et les structuralismes, d'autre part, qui étaient jugés très négativement parce que, n'étant pas capable de réintroduire la structure dans le sujet, la plaçant hors sujet, la plaçant hors histoire, ce qui est peut-être un faux procès que l'on fait au structuralisme, et particulièrement à un certain structuralisme. Mais il n'en reste pas moins que ce qui va caractériser l'anthropologie sociale et culturelle que je trouve au département en tant que directeur, et je me dois d'animer comme directeur les différentes sous-disciplines, ce que l'on constate, mais massivement, c'est la faible articulation et liaison entre les ethnologues et les anthropologues biologiques. Et également, une plus grande parenté avec les ethnolinguistes, mais ça ne va pas aussi loin qu'on pourrait le souhaiter. Et puis, il y a cette autre dimension, sous-discipline aussi, de l'histoire longue des sociétés à travers l'archéologie préhistorique.
archéologie préhistorique extrêmement forte au département d'anthropologie sur les sociétés du nord-est d'Amérique, particulièrement avec un ensemble de professeurs et des terrains, des laboratoires pointe à la pointe au Buisson, par exemple, où il y a des écoles de fouilles à chaque année et où on essaie de rendre compte, à partir des artefacts, de la situation des populations amérindiennes d'avant le contact et, bien sûr, d'après le contact aussi, et de remonter beaucoup, beaucoup plus loin. Particulièrement pour les sociétés iroquoiennes, et les sociétés du grand ensemble algonquin, le long de la rivière des Outaouais, un peu moins pour le monde, au sein du monde algonquin, ce qu'on a appelé autrefois les têtes de boule dans le Haut-Saint-Maurice, ces populations. Les travaux se sont faits beaucoup plus le long du Saint-Laurent et le long de l'Outaouais, des travaux extrêmement, extrêmement approfondis. Je pense qu'avec Normand Clermont, avec Claude Chapdelaine à l'époque et encore d'autres, là, ça se développe. On a jeté les bases de la préhistoire du Québec, qui nous savons aujourd'hui remonte pratiquement avec une évidence au lac Mégantic de 13 000 ans, ce qui est absolument extraordinaire comme présence amérindienne dans cette partie-ci. Le recul s'est fait des glaciers à ce moment-là et les populations remontant depuis le sud sont là de manière saisonnière le long du lac Mégantic. Ça ne veut pas dire que l'archéologie préhistorique était limitée à cela. Nous avions des gens qui avaient travaillé au Proche-Orient, Bill Smith, en Amérique du Sud, Paul Tolstoï, Louis Paradis, etc. Mais le gros était quand même l'archéologie du Nord-Est. Or, en face de tout ça, je me sens très, très fort chez moi. L'archéologie, j'y étais préparé de façon étonnante par l'archéologie biblique en 67, au moment de la guerre. Au lieu de partir pour le Congo-Kinshasa, normalement, j'aurais dû passer par Israël pour aller faire un terrain archéologique. Et la guerre a éclaté, c'était en juin, si vous vous rappelez bien, juin 67, la guerre qui était très courte, mais qui a eu un impact puissant. Et l'archéologie m'intéressait, mais elle va commencer à m'intéresser beaucoup plus à ce moment-là. Donc je me suis senti, mais mon grand diagnostic, c'est que c'était quatre solitudes. Ça ne se parlait pas. Et je vais travailler pendant, je dirais, 10 ans pour essayer d'établir des liens transversaux entre ces différentes approches. L'anthropologie médicale mettait en position véritablement de penser les liens entre la biologie et le psychologique, le social, le culturel, mais moins l'archéologique. Il fallait donc être capable de réfléchir tout ça. Et c'est à ce moment-là que je commence à m'interroger sur quel est ce profil de département, quelle conception de l'anthropologie avons-nous? Est-ce qu'il faut accepter la vulgate qui dit que nous sommes en langue française un petit Columbia, que nous sommes en quelque sorte la retransposition dans l'espace français de... La question de l'identité d'un département
comme celui de Montréal, et ça se pose pour tous les départements d'anthropologie. Et bien sûr que la banque de cours, les contenus des cours, l'organisation de ces cours repose sur une certaine vision de l'anthropologie. Or, dans le cas de l'Université de Montréal, compte tenu du fait que Guy Dupreuil, le fondateur du département en 1961, qui était dans un département de psychologie et qui va fonder au moment de la Révolution tranquille, donc, on est en 1961, ça explose de tous les côtés, on crée un département de criminologie, dans tous les secteurs, ça se développe. Et l'anthropologie apparaît dans ce contexte-là. Et comme professeur Dupreuil arrive de Columbia, où il a connu Greenberg, les linguistes et d'autres, on a toujours tenu pour vérité que le caractère quadripartite des quatre sous-disciplines, c'est simplement la retransposition du modèle boisien à Montréal, en langue française. En vérité, lorsque nous examinons les premiers programmes de cours des années 61, 62, 63, 64, et que nous regardons les procès-verbaux et les discussions qui ont eu lieu à ce moment-là, nous nous apercevons qu'il y avait deux autres modèles qui s'imposaient. L'UNESCO, au milieu des années 50, donc 4 ou 5 ans, 6 ans avant, avait demandé à un certain nombre d'intellectuels, dont Lévi-Strauss, de proposer en fait, des modèles de développement des sciences humaines pour les universités à travers le monde. Et Lévi-Strauss avait proposé, basé sur son expérience européenne d'une part et d'autre part sur son séjour précisément à Columbia, n'oublions pas que Franz Boas meurt dans les bras, peut-on dire, de Lévi-Strauss au Faculté Club de l'Université Columbia, il était familier avec la division en quatre. Cependant, ce n'est pas la même organisation du savoir qu'il va proposer. Ainsi, dans l'anthropologie européenne, la biologie, anthropologie biologique, a toujours été à part. Et également, l'archéologie préhistorique se sont déplacées à l'extérieur. Mais Lévi-Strauss, dans ses distinctions faites entre anthropologie, ethnologie et la matrice qu'il va proposer, va quand même être un dialogue avec ces autres disciplines. Et même, il va aussi loin que de proposer éventuellement une réconciliation avec ces disciplines si l'on veut être capable de parler de l'évolution humaine et de sa diversité, de la pluralité des formes d'humanité. Et ce que je trouve, c'est que le langage dans lequel les débats vont se faire à partir de ce texte de Lévi-Strauss, beaucoup plus qu'à partir de l'expérience boasienne de Princeton. Et également, intervient dans notre cas les modèles britanniques. Le doyen de la faculté des sciences sociales de l'époque, professeur Garrigue, qui va être celui qui va pousser le développement du département d'anthropologie. Garrigue est lui-même très, très soutenant, mais en même temps arrive avec des éléments, des modèles de Radcliffe Brown, du fonctionnalisme anglais tel qu'il a existé dans les années 50, et qui met véritablement au centre le social plus que le culturel, qui est très anthropologie américaine, mais à partir de l'étude des sociétés
fonctionnels, non, qui sont là, qui donnent des monographies de sociétés, des terrains ethnographiques dans des sociétés, dans les sociétés particulières. Et ce qui va se passer à Montréal en 61, 62, 63, et qui va se formaliser dans les cours, ça va être une tension continue entre le modèle britannique, le modèle proposé par Vichens et le modèle boisien. Et on va voir, selon les réformes de programme de cours, un dosage plus ou moins fort entre ces différentes disciplines. Alors, maintenant, je vais ouvrir au terme de 10 ans pour essayer de maintenir un équilibre entre les 4 sous-disciplines. Nous avons dû nous rendre à l'évidence que, compte tenu de la surspécialisation de plus en plus forte qui se fait au sein de chacune des sous-disciplines, l'ethnolinguistique a tendance à aller rejoindre les collègues de linguistique dans les différents champs de la linguistique, que ce soit de la descriptive ou des études comparatives de langue, etc., se sent en parenté avec eux. Les ethnologues qui font, par exemple, de l'analyse de systèmes politiques se sentent plus près des sciences politiques. Ceux-là qui s'intéressent au social, bien sûr, il y a encore les sociologues et sociologues qui sont là. Donc, le dialogue va s'ouvrir en dehors du département, où les partenaires privilégiés ne sont plus les autres collègues là, mais des collègues qui sont à l'extérieur, et ce qui est extrêmement bénéfique, ce qui est très très bien, parce qu'on a le sentiment à ce moment-là que les sous-disciplines se réancrent dans les disciplines mères qui ont été à l'origine de leur migration vers ce domaine de l'anthropologie qui se constituait et qui s'appliquait au phénomène humain comme tel, mais de retourner pour un anthropologue, un bio-anthropologue à la biologie et parlant avec des spécialistes de la génétique ou des spécialistes des sciences neurologiques, des sciences cognitives, etc., ou d'autres domaines très spécialisés de la biologie, ne pouvait qu'avoir un bienfait, du bienfait dans l'application, dans le transfert qu'il faisait pour l'analyse des phénomènes humains. C'était la même chose pour la linguistique. Et du côté de l'archéologie, je ne sais pas comment l'expliquer, mais le dialogue très difficile avec l'archéologie historique. Donc, les sociétés de l'écriture, fondées sur l'écriture, où les traces ne sont pas des artefacts, mais sont véritablement des documents écrits, ce passage a été difficile. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'archéologues préhistoriens qui sortent pas des départements d'archéologie historique. Nous avons même des professeurs là qui sont des archéologues historiques, mais qui travaillent maintenant au département. Mais la jonction reste encore complexe. Il y a, je pense, des préjugés de part et d'autre, alors que personnellement, je crois qu'on aurait tout intérêt à se parler. Par contre, les archéologues préhistoriens qui étudient de plus en plus les sociétés à la manière d'ethnologues, les replaçant à tel moment de la division en période historique, avec toutes les transitions qu'il y a sur la longue durée, on fait un virage plus fort vers l'ethnologie. Je ne sais pas s'il y a un avenir pour 4 sous-disciplines au sein de l'anthropologie. Et j'hésite entre 2 positions. Une position qui dit nous avons plus besoin que jamais, au moment où nous assistons à tant de réductionnisme
réductionnisme biologique, réductionnisme psychologique, réductionnisme social, etc., d'une pensée qui fasse en sorte qu'il y ait dialogue entre toutes ces approches, peut-être dans un effort de totalisation, si on peut dire, mais quand même. Alors, de ce point de vue-là, je serais porté à dire qu'il y a place pour cela, mais pas au sens où Boas pouvait, à lui seul, en tant que spécialiste des langues, il en a décrit, je crois, une douzaine de langues amérindiennes, en tout cas, il en a pratiqué plusieurs, et il était aussi excellent géographe, intéressé par l'environnement, dans l'environnement arctique. Il avait capacité de bio-anthropologue, il était ethnologue du social, etc. Donc, je pense que ça va être de plus en plus difficile pour quelqu'un de posséder cette totalité. Par contre, qu'un groupe personne puisse partager des savoirs et de manière complémentaire et aller. L'autre argument qui milite, une fois encore peut-être contre le maintien du modèle quadripartite, c'est de dire, écoutez, cet encyclopédisme est finalement peu utile. Plutôt que de travailler en extension, il faut travailler en profondeur. Et c'est soutenu évidemment par l'hyperspécialisation de toutes les disciplines aujourd'hui, et que il vaut mieux séparer cela et faire en sorte que on traverse des frontières dans des programmes qui vont être bidisciplinaires, tridisciplinaires, quadridisciplinaires, etc. C'est difficile d'imaginer quels sont les scénarios, parce qu'il faudrait d'abord qu'on sorte, que nos universités sortent de cet enfermement contre-productif pour l'avancée scientifique et pour la pensée, d'une division rigide des départements pour permettre une plus grande circulation des étudiants, des professeurs, de plus en plus d'échanges. En même temps, on pourrait se dire qu'une réflexion à ce moment-ci de l'histoire humaine, le contexte de la mondialisation, une réflexion sur la diversité de l'humain et capacité de rendre compte de cette diversité s'impose de plus en plus, et que l'anthropologie, dans toute cette complexité, l'affirmation de la multiplicité des langues, l'affirmation de la diversité des morphologies biologiques, la diversité des systèmes de sens, et ainsi de suite, est de plus en plus importante, si on ne veut pas assister à une homogénéisation avec une domination, donc une hégémonie d'une culture qui s'impose à toutes les autres. Et de ce point de vue-là, je dirais que c'est moins le modèle quadripartite qui apparaît devoir jouer un rôle que l'anthropologie en tant que discipline, comme telle. Et personnellement, je crois que l'anthropologie a un avenir absolument extraordinaire, précisément à cause des phénomènes de mondialisation auxquels nous assistons. Alors, je conclus tout ce que je disais, tout ce que j'ai pu dire ici sur le département d'anthropologie de l'Université de Montréal, en disant que moi, j'y ai trouvé, entre
81, 82 et ma retraite en 2000, il y a deux ans, 2012, 2013, pendant plus de 30 ans, un milieu d'une stimulation tout à fait extraordinaire. Et j'étais toujours là, dans la disposition, en quelque sorte, d'un élève qui apprend de ses collègues. Et pendant près de 20 ans, j'étais responsable du séminaire de doctorat. Séminaire de doctorat obligatoire pour tous les nouveaux doctorants, doctorantes entrant au département, de quelque discipline qu'ils soient, ou qu'elles soient, de l'archéologie à la linguistique, à la bioanthropologie, à l'ethnologie, qui se retrouvaient dans la salle. Et j'ai construit l'enseignement de manière à ce que tous soient exposés aux grands débats qui se font dans la sous-discipline des autres. Obligation de se familiariser avec les débats de pointe en ethnolinguistique aujourd'hui, avec les débats de pointe en archéologie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça me paraissait absolument, absolument essentiel de le faire, et j'y crois. Mais je dois bien dire que la structure même de ce séminaire est plus largement, puisque le séminaire ne faisait que de manière homologue, si je peux dire, reproduire la structure du département, les collègues disent, écoutez, cela s'est dépassé, on ne peut plus faire cela, et si on ne peut plus faire cela, la seule voie qui va s'ouvrir, ça va être véritablement la séparation des sous-disciplines. Il y a des départements américains, un grand nombre de départements américains, je me rappelle avoir fait une petite étude là-dessus au cours des dernières années, qui étaient quadripartites et qui ont vu la migration de collègues vers les disciplines mères qui avaient été à l'origine des départements. Il est possible que ça aille dans cette direction. Cette position n'apparaît pas seulement chez les ethnologues. À certains moments, les bioanthropologues également voudraient se défaire des autres. Chez les linguistes, il y a des velléités aussi d'aller de l'autre côté. Alors, c'est peut-être important de se poser une question là-dessus, parce que Montréal est le seul département quadripartite au Québec. McGill a l'archéologie, mais n'a pas une anthropologie biologique très forte. Laval a davantage insisté sur l'anthropologie sociale et culturelle, mais avec des volets linguistiques et des volets bioanthropologiques. Charlie Fou, Louis-Jacques Doré, l'autre côté, mais moins fort. C'était moins important, moins articulé, moins intégré que Montréal. Alors, c'est difficile de savoir comment tout cela va se transformer et évoluer. Maintenant, je voudrais parler de mes recherches.